ಭಕ್ತಕುಂಡಾಯ ಗೌರೀ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ Pour Nagobenga, Congo Kinshasa, Col Eza, Nango Kaka, 19 Pia Pamba, Bande Konangaye. Pour Nagobenga, Congo Braza, Ezali 29 Pia Pamba, Pour Nagobenga, Angola, Ezali 5 Pia Pamba. Balobi, visitez 3 fois www.bengaangola.com. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Zambuya zwa kamoto na pamba, apesi yetine.
motote na ebi ba e bazanga elelo bazwa e sokoka moto na pamba pe papisi etine na ebi ba e bakelela lelo bazwa e mawenye zambuya sokoka moto na pamba apisi etine zambuya sokoka moto na pamba apisi etine zambuyo zambuyo Azwa kamoto babwa kisina libota Kanisa tana matanga Mayuka kamoto bamota mbango Kwane ya mubula yuka nakate Nabenga kaye semba bilokota Afuna talate Zamboyo ya makambwa minene Samba boye pona nini na yemba teo Oh,
Mes chers compatriotes, 30 juin 1960, 30 juin 2015. Cela fait exactement 55 ans que notre beau pays accédait à la souveraineté nationale et internationale en s'émancipant du joug colonial. Il y a 5 ans, à l'occasion du cinquantenaire de cette accession à l'indépendance, nous avons célébré cette date avec une fierté d'autant plus légitime pour notre pays. Un demi-siècle de liberté retrouvée et d'autodétermination dont les limites des frontières héritées de la colonisation n'étaient pas acquises d'avance. En effet, la République démocratique du Congo, ce précieux héritage de nos aïeux, était et reste sujet à convoitise et objet de machinations de toutes sortes. De la part de ceux qui pensent que son territoire est trop grand et trop riche pour revenir aux Congolais et à eux seuls. Évoquer ce défi permanent à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale, c'est donner un sens et un contenu à la date du 30 juin et partant à la célébration de la fête nationale qui cette année le sera de manière solennelle au Congo central. Par-delà la stabilité macroéconomique retrouvée et les perspectives de croissance à deux chiffres qui rassurent quant à notre détermination à hisser le Congo au rang de pays émergents d'ici à l'horizon 2030, la célébration de cette date est d'abord et avant tout le renouvellement tant par notre génération que par celle à venir de l'engagement individuel et collectif à préserver l'unité nationale, à garantir l'indépendance nationale et à sauvegarder l'intégrité territoriale de notre beau et grand pays. Un engagement aussi à protéger nos écosystèmes, gage de l'avenir de nos enfants et petits-enfants, et à œuvrer sans nous lasser à la moralisation de la vie publique et à l'éradication de la corruption et de toute forme d'antivaleur. Condition sine qua non pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Chers compatriotes, pour nous, Congolais, la République démocratique du Congo est le bien le plus précieux au monde. Nous devons l'aimer, la chérir et la protéger, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Dans cette optique, la paix, la sécurité et la stabilité s'imposent à nous comme un impératif non négociable. Notre destin commun en dépend. Nous nous devons dès lors d'apprécier à sa juste valeur le don de soi, allant souvent jusqu'au sacrifice suprême que font nos filles et fils qui servent sous le drapeau, acceptent de privations diverses nuit et jour et bravent des dangers de toutes sortes sur différents théâtres d'opération, afin que la sécurité de chacun de nous soit assurée et qu'aucun mètre carré de notre territoire n'échappe au contrôle du pouvoir central. Aujourd'hui, avec persévérance, il mène ce combat contre le groupe terroriste à Beni, dans d'autres zones opérationnelles du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, en province orientale, offrant ainsi à nos populations de ce contrée longtemps meurtrie la perspective d'une ère de paix et de sécurité véritable et durable. De la nation, ces vaillants éléments de nos forces armées, de police, de
de sécurité mérite reconnaissance, respect et soutien. Mes chers compatriotes, conscients de cette exigence de paix et de stabilité, si vitale pour notre pays, et dans le souci de mieux faire aboutir le processus électoral, j'ai depuis 3 semaines entrepris des consultations avec les représentants des forces politiques et sociales de notre pays. Ces consultations élargies au Congo profond, à travers les entretiens entre le gouverneur de province et les forces vives de leurs juridictions respectives, font suite à la demande pressante et insistante d'un dialogue politique par certains membres de l'opposition congolaise. Le nouveau cycle électoral ayant été lancé dans notre pays, cette demande ne pouvait me laisser indifférent, d'autant plus que la mise en place des animateurs de la CENI, le vote et la promulgation de la nouvelle loi électorale et de la loi des finances 2015 ont généré des défis qui, naturellement, n'avaient pas été pris en compte lors des concertations nationales, vu qu'ils sont nés postérieurement à ce forum. J'ai donc engagé la nation sur la voie de consultation et éventuellement du dialogue, afin qu'ensemble, majorité, opposition et société civile puissent convenir de voies et moyens permettant de surmonter les obstacles qui jonchent la marche vers la 3e série d'élections générales, voulue libre, transparente et crédible, mais aussi apaisée par notre peuple qui avait été privé d'élections démocratiques pendant les 45 premières années de notre indépendance. Ces obstacles sont liés, 1, au calendrier électoral global, exigé à corps et à cri par l'opposition. Il a été contesté par la même opposition, sitôt publié. 2, au financement du processus électoral, évalué bien après l'adoption du budget 2015, à eux seuls, le besoin pour l'organisation réussie des élections s'élève à plus d'un milliard de dollars américains, alors que le dit budget pour l'ensemble des besoins de l'État a été arrêté à l'équivalent en fonds congolais de 9 milliards de dollars américains. 3, à la participation au scrutin de 2015 d'anciens mineurs devenus majeurs en cours du cycle électoral, qui du fait de la loi électorale en sont exclus, et donc injustement privé d'un droit que j'estime légitime. Cette loi prévoit en effet que cette frange importante de notre population ne pourrait être prise en compte que lors des scrutins à venir, après le renouvellement du fichier électoral. Et 4, à l'impératif de la sécurisation du processus électoral, les expériences malheureuses du passé, notamment l'intolérance politique et la non-acceptation des résultats des élections par le perdant, ayant conduit à des violences meurtrières avant, pendant et après le scrutin de 2006 et 2011. Chers compatriotes, ne pas régler ces questions en temps voulu et de manière consensuelle pourrait plonger le processus électoral dans une impasse et engendrer des conflits de tous ordres.
C'est pourquoi j'engage ce jour toutes les Congolaises et tous les Congolais à s'inscrire dans la voie du règlement pacifique de toute divergence politique. Conformément à la tradition congolaise de prévention, de gestion et de résolution de conflits. Je remercie très sincèrement tous ceux et toutes celles issus de toutes les couches de la population qui, lors des consultations entamées, ont répondu sans hésitation à cet appel qui, à mes yeux, est celui de la sagesse. Leurs propositions sur la meilleure manière d'organiser le dialogue seront, autant que faire se peut, prises en compte. À cet égard, même si les consultations se poursuivent encore, j'ai retenu avec intérêt que l'écrasante majorité des délégations qui se sont déjà exprimées, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays, souhaite que, dans l'éventualité du dialogue, celui-ci soit mené sans ingérence étrangère, à travers un nombre limité de participants et pour une durée relativement courte. Je note également que, quoique non inscrite à l'ordre du jour de mes consultations, la question de la réforme territoriale de l'installation de nouvelles provinces a été spontanément abordée par plusieurs de mes interlocuteurs et a reçu une large adhésion. Bientôt, je mettrai fin aux consultations entamées et prendrai les dispositions pertinentes qui s'imposent en vue de matérialiser notre vision commune de sauvegarder ce qui nous est cher, la paix, la stabilité et l'unité de notre pays. J'espère qu'interpellé par ce noble objectif, quand viendra ce moment historique, les forces politiques et sociales de notre pays, dans leur diversité, y compris ceux qui hésitent encore, répondront présents afin que tous ensemble, dans la paix, nous puissions donner à notre jeune démocratie la chance de se consolider davantage à travers cette troisième expérience électorale. Quant aux amis de notre pays, je formule le vœu de les voir jouer comme dans le passé un rôle positif en vue de l'aboutissement heureux de cette démarche. Heureux anniversaire de l'indépendance de notre pays à chacun et à tous. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous venons d'écouter le discours de notre chef de l'État, le souverain président Joseph Kabila Kabange. Bien-aimé commentaire et alité, je pense que Bissonne Stolandian ou bien. Alors, nous avons un bandeko. Nous sommes en Angleterre, en Angleterre, nous sommes partout dans le monde. Tout ça, c'est un débat sur les problèmes qui ont passé dans le cannabis. Alors, nous avons un peu de temps dans l'iPad. Nous avons invité Bissot à un débat. Samedi de Monaki, vice-ministre Nenga Lobaki, et ça qui pour l'intérêt à Bissot, la zone qui a invité Batonio surtout, bah opposant, bah parti surtout, Oyo, et ça, bah nani, tout y'a un plateau, tout ça là, bah débat sur Makambo, yo, yambo cannabiso, parce que nous avons besoin de cannabiso et bonga. Alors, tout lobaka, mingi, te, tout ça là, bah action, pour na, bah tout bah Monaki, non, tout ça raisonné. Alors, na fungoli vraiment,
motema na batu nyo surtout na system kaka ya peace and love tozana besoin peace ezala love ezala to lingana tozala bomoko to sala musala malamu na tina ke mboka na biso ezala mboka oya lokumu mboka na biso ezala mboka oyo makamuno sizo kende liboso alo ya ona zo singa na bande konyo su boya to sala badegba président oyo ya na respecta kamingi ya IDPS président na biso teyo tu parles bien yaka na ba ide na yo to sala débat concernant makamuzo le kanamboka to yo ki discours na biso to ko sala débat sur discours oyo kaka nenge discours le lobby kaka to sala ba débat to lobby ba point oyo bazana besoin ya ko lobby loko boye ba opposa mais nazo comprendre nazo mona bino te bozo ki manini je ne sais pas iloko nini zo bang sa bino pona oyo abuvanda na nga na plateau pour la royer à peut-être sur les bonmoniques moyen pour vendre dans la plateau ça dans la journaliste beaucoup vendre dans la bande plateau on fait les débats toujours sur là étant que les intellectuels étant que bavain n'a pas tout raisonner comment nous allons faire pour l'avancement de notre pays discours où il y a vraiment boulanda ngou le subien na côte sur na YouTube boulanda ngou subien boyo kango pena bien bou kolande la ngou le susu bin mo bo mona que non et je sais encore que non dialogue fait salama pour na avancement ya mboka parce que zara ba makambo ebele biso moko tozo mona ke no ndike to sa négligence bazo benga biso to kende ko s'enregistrer ba ye ba nombre ba congolais au bazana kati na mboka et surtout biso na kati na étranger awa to s'enregistrer en fait que tant ba élection de salama tous a pena opportunité de voter ba to bazo kende vraiment mingité alors ezala siko faute na biso bon siko soki bango moko siko bato bazako sala ke basala election ba monike ba babiloko ba prealable ko ki nan bien te babi no toze la ti ba prealable ko kasiko do pesa faute e pa nani alors voilà nazo senga ba débat to ya to vanda na plateau so bo vanda na plateau te to vanda ba journaliste na biso oyo bazana na kati ya Welcome TV to vanda na plateau to sali ba débat bo mona bino moko ke non to kene nzela moko to sali kambo ndenge nzamba lingi afin que mboka na biso za na kimia parce que nengeza awa nous tous toza na bolingo ya mboka na biso mutu moko te alobake aza na souci ya mboka na ete tous sommes des congolais toza na besoin ya mboka na biso za la bien alors to pamboli nzambe na chef de l'état na biso aza chef de l'état aza calme il a besoin ya ko solo na batu so aza ki mutu mususu alinga alobake non nengeza na ngwana candidat unique mobuta aza ka candidat unique pendant batin ebele a kosta ne kaza ne candidat unique parce que ça na pouvoir ba to balingie mais azana besoin to solo la to kande to sala pona avancement ya mboka na mukonza mboka o ya biso Congo nzambe ne mutatiaka yango na zolo bake to koke na biso to matato kita nzambe asi apona na ye mutu ya mboka na biso to zana chef de l'état na biso na kati na Congo seseko libera na libela to zana ye yango na zolo laksa biso to ya to sala ba débat ba débat bien aimé et comme ma biso na nzela ya bien ba débat et ko sala ke ba to bazara so na ba candidate ba débat et longo na ba stress ba débat au monde avec que non en tout cas nga koto na za bien wrong nga koto na za et uta ka na ba débat de so to vandi bo to vandi to zo solo là to solo là tant que ba mikolo to za ba mikolo to ba msupi ba comme dia ba koko et puis to za to boti pe na bana na biso ba babali ba mindele ba boti bana ya ba afkas alors nazar vraiment la tamine te samedi to za sous awa jeudi octobre de dia zali to ya to kuta na to sala ba débat bo benga na téléphone on va se parler to sala ba débat to kende pour l'avancement mboka na bino ya mboka na bino.